Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour vous montrer sous iMovie comment créer votre première vidéo, votre premier montage vidéo facilement, rapidement, comme je l'avais promis dans une autre vidéo. Donc, au départ, vous arrivez sur votre sur iMovie, vous cliquez par exemple sur projet, si vous n'êtes pas sur projet, ce qui vous permet, vous n'avez pas de vidéo, vous n'avez pas de projet, vous créez ici un premier projet, vous faites film. Une fois que vous avez créé film, il va vous proposer de créer dans la bibliothèque iMovie. Donc vous créez bien évidemment dans la bibliothèque iMovie. Moi j'en ai une autre, bibliothèque iMovie septembre. Vous faites OK, il va créer votre, voilà, votre premier fichier. Ce que vous devez faire au départ, c'est importer les vidéos. Donc importer votre vidéo. Pour importer votre vidéo, c'est simple. Vous allez chercher vos vidéos là où vous les avez transférées. Donc moi je vais prendre par exemple, tiens, ma première caméra, donc mon film, ma première caméra, plus l'audio que j'ai rajouté, et vous cliquez sur « Importer la sélection », et vous l'importez, il va l'importer un peu n'importe où, donc soit vous pouvez choisir là où vous voulez l'importer, sinon, de toute façon, c'est pas gênant, vous faites « Importer la sélection », il va importer votre film, votre audio, si vous avez un audio, ici on voit le compteur, voilà, c'est en train de s'importer. Et on le voit ici sur la droite, hein, c'est en train de s'importer. Et l'avantage avec iMovie, c'est que même en importation, par rapport au logiciel Windows, vous pouvez travailler déjà dessus. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée un dossier qui s'appelle Mon Film. Donc pour protéger votre création, pour éviter de perdre votre travail, si jamais l'ordinateur se coupe par exemple, prenez votre premier film, vous glissez dans la timeline. Ensuite, vous recliquez ici sur « Projet » et il vous demande, à la place de « Mon film », il va vous dire, par exemple, quel titre. Le titre va être, par exemple, moi, c'est ma première caméra JVC. Vous faites « OK ». Vous faites « OK », il vient de vous créer votre... voilà, on trouve ici « Ma première caméra JVC ». Donc, c'est déjà très simple. Hein, au départ, vous avez sauvegardé votre premier projet. Vous faites « Ouvrir le projet ». Vous retrouvez votre film ici. Vous prenez votre audio, si vous avez enregistré un audio avec, et puis vous mettez l'audio ici, tout simplement. Ensuite, vous agrandissez votre plage, pour voir la plage entièrement de la timeline. Vous pouvez bouger ici, si j'arrive à attraper, parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Donc on peut bouger ici pour voir un peu mieux. Et ici, je vais synchroniser le son et l'audio. Donc, le son et l'audio, j'ai fait un club de cinéma, j'ai un survol en fait pour entendre en même temps que je parle. Je ragrandis un petit peu, hop, pour bien voir ma plage de son. Voilà, les deux pics de son, toc, j'aligne, toc, je lis. Ah, c'est un petit peu décalé. Mais c'est pas grave, dans iMovie, ça rattrape après, une fois qu'on est en train de monter. Je vais agrandir encore un peu, voir le... Voilà, il y a un grand décalage, on peut le mettre dans l'autre sens, ça revient au même, de toute façon. Ça fait un petit décalage, mais après ça se cale bien, parce qu'on est vraiment agrandi, donc c'est pas gênant. Bon, après moi je baisse ici le son de la caméra à peu près à 10%. Voilà, 8, 10, 12, 13, peu importe, c'est pas très gênant. Ici, je prends mon son, je vais choper mon son, toc, je vais amplifier un peu les aigus, parce que je sais que le son n'est pas terrible si j'augmente pas les aigus. Quand je commence à parler, voilà. Caméra, vieille caméra. Voilà, je commence à parler ici. Salut. Hop, je prends mes deux bandes, je fais clic droit, je fais scinder, alors vous inquiétez pas. Je vais assez vite, c'est vraiment pour vous montrer ce qui va vous permettre, vous, après, avec toutes les vidéos, justement, dans le logiciel de montage, on fait ça tranquillement, plusieurs fois, on répète, je vous répète bien tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est vraiment pour vous montrer, voilà, le montage tout simple. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut. Une fois que je suis arrivé à la fin, hop, je fais pareil. Scinder la vidéo, hop, je prends ce que je veux enlever, je supprime. J'ai ma première ma vidéo complète. Donc si vous vous arrêtez de parler entre au milieu, vous faites pareil. Hein. Choisissez la partie que vous voulez scinder, vous scindez une autre partie ici. Hop. Et cette partie-là, vous voulez l'enlever parce que vous arrêtez de parler. Vous n'avez plus qu'à clic droit, supprimer.
Voilà, vous êtes trompé, vous faites CTRL-Z, CTRL-Z, ça revient, ou alors ici, dans édition, annuler, voilà, suppression, etc. Ensuite, vous voulez rajouter un titre de début, ou un titre n'importe où, hein, au milieu, on va mettre par exemple un titre ici. Vous cliquez sur titre, vous choisissez un titre qui vous convient, donc il va le lire à la volée, donc je suis en train d'enregistrer en même temps la vidéo, donc c'est un petit peu long, mais voilà, il lit un peu à la volée, comme ça vous voyez ce que ça donne, hop, hop. Voilà, vous pouvez mettre un titre en disant, ben voilà, je vais faire un petit titre ici. Vous glissez votre titre où vous voulez, là, ou au début, comme vous voulez. Vous lâchez, vous mettez au milieu du titre, double-cliquez sur le titre. Ça ouvre ici la fenêtre pour pouvoir changer votre nom. Il dit, par exemple, avec 2D, c'est mieux, hop, Y. Ici, voilà, on peut changer la description. Ma première... caméra, JVC, paf, et par exemple c'est en blanc ici, donc ça me gêne un peu le blanc, cliquez ici pour changer la couleur, toc, fermé, hop, on va le voir, c'est en rouge, vous faites lecture en appuyant sur espace, ou alors ici vous pouvez faire lecture, je sais plus de quelle date, c'est vieux, c'est vachement vieux, Voilà, vous avez vous avez fait votre premier montage vidéo, tout simplement. Et ça s'enregistre automatiquement. Vous revenez ici sur vos données, ça s'enregistre automatiquement, hein, vous n'avez pas de problème. Vous cliquez sur projet, vous allez voir que ici, on est sur projet, on double-clique, hop, on a toujours, voilà, notre titre est resté. Donc c'est vraiment important de savoir, sous iMovie, il n'y a pas d'enregistrement, ça s'enregistre automatique une fois que vous avez enregistré votre premier projet, première fois. Là, vous avez votre nom de projet ici que vous pouvez rattraper. Même si l'ordinateur se coupe, vous allez sauvegarder votre film. Voilà. Ensuite, pour exporter, faire un film pour l'envoyer sur YouTube, vous revenez sur projet, choisissez votre film, vous cliquez ici sur la petite roue, et vous faites partager le projet. Alors, vous pouvez envoyer directement sur YouTube, vous pouvez envoyer comme ça si vous voulez, sinon vous faites fichier, puis vous enregistrez votre film directement. Alors il vous propose... Hein, vidéo, audio, le format 720, 520p, 540p, 720p ou 1080p. Moi, c'est de toute façon, c'est du 1280 par 720, donc il garde en 720. La qualité, vous laissez surélevé, pas la peine de mettre sur moyenne parce que ça dégrade, ou optimal, c'est un peu plus long. Puis là, le plus rapide, meilleure qualité, mais même plus rapide, vous avez quand même une super qualité. Ici, vous avez le temps de votre vidéo. Ici, vous avez 572 mégas, c'est la vidéo. Vous pouvez faire ajouter au cinéma si jamais vous voulez les retrouver en haut ici dans le cinéma. Là, vous faites suivant pour après exporter votre vidéo en MP4 directement, il va le faire. Sinon, ici, après dans le cinéma, il va vous mettre tous vos films, tout ce que vous avez fait. Donc, moi, comme je ne le fais pas, puisque je retrouve mes projets puis j'exporte les films directement, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, vous voyez, on peut avoir plein de projets et on peut revenir sur les projets facilement. Voilà comment faire votre premier montage rapidement, facilement, pour avoir une coupe au début, une coupe à la fin, une coupe peut-être au milieu si vous avez arrêté de parler, puis rajouter un titre et après les titres, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, hein, tout au long de votre vidéo, si vous voulez écrire, par exemple, la marque de la caméra, si vous voulez écrire le nom du site, etc., vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà pour votre premier montage. N'hésitez pas maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, faire pas mal de choses avec iMovie, et on va le faire petit à petit, tranquillement. Il y a pas mal de vidéos à voir, il y a 28 vidéos complètes, il y a deux vidéos où on refait les montages comme ça pour que je vous montre exactement petit à petit comment je fais les choses, simplement, facilement, rapidement. Et puis, vous avez même une vidéo qui fait 40 minutes où je vous montre comment je fais un montage un peu plus compliqué, avec les erreurs qu'il y a dedans, pour pouvoir annuler les erreurs, les « que je fais et que je coupe, etc. etc. Vous allez voir, il y a énormément de choses, c'est vraiment important de comprendre pour pouvoir faire ce que vous voulez en montage après, et je vous montre même comment faire du fond vert, vous voyez, sur du fond vert, pour pouvoir se mettre, par exemple, avec une photo derrière, ou même à la plage, hein, comme je montrais dans les démos. N'hésitez pas, on se revoit dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas, profitez-en, parce que les conditions changent tous les jours.